Salut à tous, c'est Zwiggy! Et oui, voilà! Nous voici aujourd'hui avec l'épisode 2 de Bioshock Infinite, Tombeau sous-marin ou Burial at Sea, épisode 2. J'avais fait l'épisode 1, j'avais fait aussi Bioshock Infinite, mais avant le Game Capture HD, donc quand je filmais encore avec l'appareil photo. Oui. Donc voilà. Graphisme toujours tout à fond, bien sûr, dans tous les jeux. Alors, avant de commencer, vite fait, bon, dernièrement j'ai fait Yoshi New Island, Thief, Castlevania Lord of Shadow 2, Donkey Kong, Strider, The Room, Titanfall, Dragon Ball, Deus Ex, Death Mario Party, Dead Rising, déballage de Play 4, test de Mario World, Forza 5, etc. Et en fait, l'épisode 1, celui-là, j'avais fait le début. Bon, après les gens ils sont spoilés pour tout, hein, donc là vous êtes sûrement spoilés. Vous allez voir le début, oh, vous allez spoiler, vous allez savoir que c'est Elisabeth qui joue, oh, vous allez spoiler. Bon, les gens sont spoilés pour tout. Mais si je fais pas le début, si je fais le milieu du jeu par exemple, que je continue à jouer, que je débloque des choses, que j'apprends un peu l'histoire, etc., ça reviendra à faire un FPS normal, ça sert à rien. Moi je veux le début, ce qui est propre justement à Bioshock, ce qui est propre à l'épisode 2. Donc voilà, donc j'ai pas joué, j'en sais rien. Voilà. Si c'est comme l'épisode 1 et tout, au début on va pas jouer, on va sûrement faire qu'avancer. Donc il y aura peut-être pas de combat, peut-être pas de crossover ni rien. Mais j'ai envie de voir ce qu'il y a, voilà, j'ai envie que ça soit bien. Donc c'est parti. Déjà c'est... ben je sais pas. Non mais moyen le... Oui non, le... Oui le moyen, 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 on va pas abuser. Faites-vous un résumé des événements de Bioshock. J'ai peur que ça mette 100 ans. Par contre l'épisode 1 il me demandait pas ça. Je vais mettre non. Ben vous pouvez lire sur Wikipédia ou n'importe où, hein, l'histoire de Bioshock 1. Bioshock premier du nom. Donc je mets non, voilà. Mais bon, en gros, on était un mec qui est venu, qui était en avion, on s'est crashé, et en fait, on se retourne en rapture, et on démonte tout le monde, et blablabla. Bla bla. Avec Atlas et tout. Donc, l'épisode 2, bon, toujours VOSTFR, hein, sauf les voxophones. En fait, c'est pas voxophone, là, sur rapture, c'était les... je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, j'espère que le son de ma voix par rapport à ça, ça sera bien aussi. Voilà, enfin, je sais pas, on verra. Ah, là pour moi, c'est la fin du 2. Fin de l'épisode 2. Non, c'est la fin de l'épisode 1 pour moi, ce qu'on vient d'entendre là. Mais je suis pas sûr, hein, vu qu'il n'y a pas eu d'image. Oh. Jure-le. C'est énorme! Mademoiselle? Yes? Quel est votre nom? Elizabeth. Elizabeth. Oh non! Pourquoi parler en français? Je vous en prie, j'insiste. Donc on est à Paris, oui. Ben, comme elle a toujours souhaité d'être, enfin de rêver d'être là-bas, hein. Ouais, elle a toujours voulu être à Paris, c'est vrai. Paris, enfin là, sérieux. C'est bon en plus, sans déconner! Par contre, pourquoi ils parlent en français? Est-ce que dans la version américaine, eux là-bas directement, c'est en français aussi? Ouais, ça doit être français, sous-titré américain, hein, je pense. Musique française. C'est beau, sans déconner! Oh ben c'est beau, là vous voyez par contre les arbres là, les plantes, c'est dégueulasse au possible. Mais non non mais c'est beau en tout, hein. Graphiquement, comme je dis dans le premier Bioshock Infinite que j'avais testé, graphiquement c'est pas détaillé au maximum, hein, c'est pas le jeu le plus bonjour, beau de la Terre. Monsieur, tous ces effets, ces décors fait que finalement c'est très beau quoi. Il manque d'inspiration aujourd'hui. Oh bon non là comme c'est la vidéo je vais pas vraiment visiter, je vais essayer de courir. Bonjour, les gars je vais pas courir mais je vais essayer de courir. Je visiterai moi-même plus tard. En off quoi. Bonjour mon ami. Sérieux, c'est alors, magnifique. Hein. Vraiment, hein, c'est waouh. Wow. Je m'attendais carrément pas à ça quoi. Bonne journée. Je m'attendais à être en rapture. Je vois la vie en rose. Quoi? Non, c'est pas moi. Cadaré de la belle vie. Bonjour. Et si tu venais boire un verre avec nous? Claude, sois pas jalouse, ma petite. Sérieux? Viens jouer avec nous, Elisabeth. I'm sorry, Cosette. Next time, I promise. Dommage. Autant c'est bien fait que les Français parlent français, justement. Autant c'est con que les Français comprennent ce qu'elle dit, elle, quoi. Désolé, mais déjà à l'époque, à mon avis, voilà. Mais même aujourd'hui, va toi, américain, à Paris, et tu parles américain à une petite. On verra si elle te comprend, elle te répond en français normalement. Ça m'étonnerait. Je peux vous vendre tous les livres que vous voulez. Non, mais c'est énorme, c'est excellent. C'est de fou, hein, là, je suis.
Désolé, ma petite, celui-là n'a pas encore été écrit. Je vais encore spoiler, donc franchement, je ne peux pas te spoiler. Après, voilà, aujourd'hui, est-ce que ce que je vais dire, c'est du spoilage ou pas? Oui, non, merde, hein, donc si vous voulez pas regarder, regardez pas. Une baguette, et pas mademoiselle. Chier. Mais il faut savoir que dans l'épisode 1, on était l'Elisabeth de Bioshock Infinite, hein, voilà. Et là, apparemment, comme c'est la suite, on est toujours l'Elisabeth de Bioshock Infinite, celle qui voulait à Paris. Justement, c'est pour ça qu'on est à Paris. Bonjour, voilà. Elisabeth, une baguette? Là, on est bloqué là, un peu. Ah mais c'est magnifique, c'est un truc de fou. L'oiseau qui siffle la chanson, voilà, faut pas abuser non plus quand même. Par contre j'aime bien ses mains avec ses ongles. Ah ouais, on voit, ouais, vous voyez, elle a le petit truc là pour dire qu'elle a le doigt coupé. Donc c'est bien Elisabeth de Infinite. L'oiseau ou la cage? L'oiseau. Quel clin d'œil excellent. Clin d'œil excellent. Il ressemble pas un peu à Vitesse lui-là par hasard? Non, non, je crois pas. Mais excellent, voilà. Clin d'œil magnifique. Dès le début du jeu, ça commence fort. Ça fait peur déjà, une petite fille comme ça. Sans déconner, elle va se jeter sur moi, tu vas voir. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Sally. Sally. Okay, ouais. Bon déjà, quand elle a tendu la main, on a vu qu'elle était en blanc et marron. Faudrait que je refasse la fin de Bioshock Infinite, voir si elle n'y est pas celle-là d'Elisabeth, on sait jamais. Hein. Habillée en blanc, marron, un truc comme ça, apparemment j'ai vu. Et j'ai cru voir. Sally, wait. Ouais, elle court plus vite que Flash, c'est bon. Bon là, ça fait peur, tu vois. Wait. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Madden Fire qui se passe dans les années 3046, non, je sais pas. Sally, stop. Pas courir, non, toujours pas. Désolé aussi que le clavier de merde fait un bruit de fou, hein. Je suis vraiment désolé pour ça. Sally, hold on. Non, elle a, attends, elle a un col. Non, elle a un col. Elle a une manche marron ou bleue, je sais pas. N'empêche, tout ça, c'est pas rassurant, hein. Franchement, si je savais que c'était pas un jeu, si je savais que c'était un jeu de peur, on va dire, je crois que j'aurais arrêté là. Mais bon, les Bioshock, c'est pas un jeu de peur, donc il va rien se passer, quoi. Stop, stop. Il y a rien, on dirait qu'elle est passée par là-bas. Ok. C'est quoi ça? Un corbeau. Là-bas, ben, c'est un peu bloqué, hein. Yeah, Booker. Ah ouais, mais Booker, on le verra pas, non? Enfin, je sais pas. Elle est descend. Ouais. Ça va péter! Oh la putain! Non! Ah, j'ai flippé ça, hein! Chaud, chaud, chaud! Franchement, je comprends que dalle! Ouais, mais apparemment elle connaît déjà Sally. Mais c'est qui? Putain, je m'ennuie de finir ce jeu, voir la fin. I never should have left you there. Mm-hmm. Oui, mais c'est passé quoi là en fait? J'ai pas compris vraiment ce qui est. Oui, ça marche. Allô? Ah. Vu les décors, là on est à Rapture, hein. Donc il s'est passé quoi? On a été téléporté, on a fait un cauchemar. Atlas! Non! Excellent! Bon, pour connaître Atlas, il faut jouer Bioshock 1. Atlas, sérieux? Énorme! Non, Booker aussi. Oh, mais c'est excellent. Oh, le début, c'est le début de malade, hein. Non, non plus, je comprends pas. T'inquiète pas, hein. Quoi? 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 Quoi?
Alors attendez, Booker il est là, Elizabeth l'entend et le voit, mais eux non. Et Booker dit ce qu'il faut dire à Elizabeth pour pas qu'elle se fasse tuer en fait. Oh le truc de malade. C'est énorme. Bon, d'un côté, qu'on n'entende pas la voix, si jamais c'est trop fort ou quoi, c'est pas trop grave vu que c'est en VO. Hein. Après, oui, la série Fear, la saga Fear, les développeurs Fear. Fear 1 avec les deux extensions, le 2 avec l'extension, le 3, etc. C'est des jeux où il y a une bonne histoire avec Alma et tout, j'ai kiffé, comme Portal 1 et 2. Et les Bioshock, c'est pareil, Bioshock 1, Bioshock 2, l'Infinite avec les deux épisodes. Je kiffe. Vraiment, c'est énorme. L'histoire, les personnages, c'est de la tuerie. Et vraiment, Booker et Elizabeth sont des putains de personnages charismatiques comme pas permis. Là, vous voyez, je viens de voir Booker, franchement, je suis heureux. Voilà. C'est énorme. Même si tous ces jeux-là que je viens de citer restent des FPS, hein, comme par hasard, mais voilà, c'est énorme. Bon, ok, il faut trouver Su Chang, d'accord. On parle à Booker, sérieux? C'est énorme! Vas-y, prends, allez, prends! Des variables et des constantes. Prends la tête, oui. Hein. Hey! Every version of me felt. All of that. D'accord. Ah oui. Oh putain. Non, alors là je vais pas dire pour pas encore spoiler, hein. Mais lui, cet endroit. Moi je sais où on est, je sais où ça se passe. Putain, c'est énorme. Voilà, franchement, faites l'épisode 1, finissez-le et vous comprendrez là où vous êtes en fait. Est-ce que c'est d'accord, c'est, oh, c'est énorme, cool. Ouais, mais faut aller maintenant. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. On peut pas courir toujours, hein, putain, on peut rien faire, hein. Comme je vous ai dit, ça m'étonnerait que j'ai l'arbalète, parce que oui, on a une arbalète, parce que oui, c'est le jeu qui est un peu plus orienté espionnage, pas espionnage, mais comme on dit, comme les Splinter Cell, là, en mode... je sais pas comment on appelle ça, c'est pas grave. Où il faut un peu marcher, on va dire, accroupi pour pas faire de bruit, pour essayer de pas faire... de faire repérer, quoi, voilà. C'est un jeu comme ça, hein, c'est l'épisode 2. C'est pas Paris. Ah, c'est quoi? C'est... Oh, l'épisode 2, sans déconner, commence très très bien. Y'a aucun combat, y'a rien, c'est sûr. Donc ceux qui vont regarder la vidéo, qui s'en foutent en général de l'histoire ni rien, qui veulent juste du bourrinage, ben vous allez pas être content, tant pis pour vous, hein. Mais moi là, je suis vraiment heureux, je suis content. Pour moi, c'est une bonne vidéo, hein. Faire un début aussi excellent que ça. Pff, c'est énorme. Oh là là. Oui, vas-y. What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Blanc, hein. Ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange, smaller. Les portes, elles portent des failles, je crois. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Ouais. Spoilage encore. Stay away from me. Ah ouais, ça fait démonter par un Big Daddy, quoi. No, no, please, please don't. Bon, dit comme ça, ça fait un peu. I was killed by that. Stay away from me. D'accord. But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet? Il faut pas oublier que quand il y a ça et qu'il saigne du nez, c'est qu'il se souvient de faux souvenirs en fait. Et là, on n'a plus le doigt coupé, donc on n'est plus l'Elizabeth de Paris. Enfin, on n'est plus l'Elizabeth de Bioshock Infinite là. Pourtant, on a les souvenirs d'elle. Ouh, ça rend fou déjà, je comprends que dalle. Voilà, là on est Elizabeth avec le doigt coupé. Je
Lutèce est encore là, excellent. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child. Pololo. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far. Et ça aussi c'est des jeux, tu vois. Que quand tu finis le jeu, sans déconner, il faut le refaire une deuxième fois. Il faut regarder tous les détails, regarder les clins d'œil, limite en parler avec ceux qui connaissent le jeu, ceux qui ont fait le jeu, tu vois, de dire pourquoi on entend Songbird dans le Bioshock 1 et 2, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un clin d'œil ou est-ce que c'est juste une coïncidence, pourquoi il y a ça, Lutèce qui y sont, qu'est-ce que c'est le Comstock, machin. C'est ça qui est bon dans ces jeux-là, c'est qu'ils te font réfléchir, il y a des fins excellentes, c'est de la bombe, franchement, excellentissime quoi. Ah, on est où là? Ok, donc dans Bioshock Infinite, c'est eux qui amènent Booker au phare de Columbia, et là, ils nous amènent au phare de Rapture. Mm-hmm. Oh, ça prend la tête déjà, oh là là. Elle parle de Sally, mais... C'est sa sœur ou quoi? Comstock, elle parle aussi. Mm-hmm. Oh, ça me donne envie de refaire le 1 et le 2 aussi. 16 minutes de vidéo, je vais mettre 100 ans à uploader, mais j'ai pas envie d'arrêter. Lutèce has warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse. From a quantum superposition. To just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Sert quoi là? Just a normal girl. Mm-hmm. The normal pink. Ça veut dire quoi, qu'on est la dernière Elisabeth? If I can open tears, I'm never leaving here, am I? I'm je sais pas, franchement, never je... going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? Il va pas répondre, il est sûr. Decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Non. Find Souchong. Souchong, putain. Yi Souchong. Bon, on va où? On est où? Je comprends pas. Ok. Moi, je veux voir des gros hommes et je veux avoir l'arbalète. Quoi là? Plus rien, non? On passe dans les. Ok. Ah. Ah oui, mais d'accord, ouais, ok. Ah, il y a des gros hommes cons, il y a des gros hommes intelligents, d'accord. Mm-hmm. Salut, gros homme. C'est vrai que l'univers Rapture est beaucoup plus glauque que l'univers Columbia. Déjà, les plasmides, eux, ils transforment les mecs en mode chelou. Donc ça, c'est un tapis apparemment, ça. Ouais, ça se voit, la moquette, quoi. Ok. V. Ok. D'accord, d'accord. Donc apparemment, c'est toujours la veille, hein, de Bioshock 1. Oh putain. C'est toujours la veille de Bioshock 1, alors, hein. De l'histoire de Bioshock 1, je parle. Je sais pas, j'ai envie d'aller là-bas. Ah, je peux courir, putain, enfin. Ok. Et j'appuie sur 1, il y a toujours le... Ouais, ok. Je m'en fous, mais bah, sûrement... Oh, ça c'est... Oh, bien fait, bien. Faut faire quoi, oui. Ouais, mais oui. Appuyez sur F, neutre et rouge. Ah ouais, ben voilà. C'est tout? Ah ça va, c'est simple. Ah c'est un truc de fou. Oh, oh, aïe, je sens que je vais me régaler. Y'a qui?
Ah, ça y est, on commence. Ça fait 20 minutes de vidéo. Ouais, mais je vais tuer 2-3 mecs là, ces mecs là, et après j'arrêterai. Hein. Like bolt deliver some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what to do? No one ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins. Ouf. Alors on vise comment toujours avec. Ok. It's up to you. Plus de munitions, d'accord. Une approche furtive est plus sûre et plus efficace. Ok. Je peux récupérer ma flèche, oui, non? Non. Bon. Si, peut-être, je récupère ma flèche. Ben ouais. Ok. C'est totalement excellent! Il est où le gars? Il est où le gars? Il est passé là? Mmh. Ah oui, d'accord, on peut. Ah, faut que j'appuie sur eux carrément. Ah, d'accord, on peut jouer avec. Oh! Ok, on peut jouer avec des armes. On va dire. Armes blanches, non? Non, non, des armes. Je sais pas comment on appelle ça, on s'en fout. Des armes à feu, voilà. Putain. Faut aller là-bas? Oui, non? Look, Sucho, that's the name you had me tell Atlas. Huh. C'est vraiment fou, les mecs. Looks like this character Sucho has taken over the Silverfin restaurant. That's. On va essayer d'aller là. That's where the tear was that I used when I first came. D'accord, ben ouais. Ok. Même pété, on peut ouvrir les portes quand même. D'accord. Ben je crois, non? Oui. The first time you came to Rapture was in 1960. Ouais, ok. With Booker, when you drowned some. Over a year from now. Allez, au 1000 ans et demi. When I could see all the doors, it all made sense, but now. Now it's just a jumble. Elizabeth. Ouais, en fait, on est devenu une Elizabeth normale, quoi. Sans faille, sans rien. Normal, j'allais dire. If we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Gender Bender. Ouais. I was here as well. Right after I came through, I needed. Voilà, je cours, je referai une partie, je referai une nouvelle partie de toute façon, mais là je cours pour vous montrer un peu le maximum de choses qu'il y a. C'est quoi ça? Ça sert à rien. Non, non, j'appuie. J'ai pas accroché, chier. Il y a les avions qui passent, voilà, on est en guerre, ça y est. Docteur Suchong est là. Ah oui, il y a ça aussi, il y a toujours le bruit. Attends, attends. Ouais. Non, je veux pas voir ça, ça m'a toujours gonflé ça. Putain. Ouais, bon, ben voilà, ça fait 23 minutes, je pense que c'est vraiment largement suffisant. Suffisant pour énerver les gens qui vont se sentir spoilés. Ah, il m'a spoilé, enfoiré. Mais regarde pas. Hein. Du moment que tu auras un truc que t'as jamais vu, forcément ça te spoil. Hein. Après ça dépend. Voilà. Enfin bon, on va rien dire, c'est pas grave. Mais voilà. Donc 24 minutes déjà, ça va être 100 ans pour uploader. Donc déjà, moi ça va me faire chier. Mais franchement, je trouve qu'elle est excellente la vidéo parce que le début est magnifique. C'est énorme. Donc voilà, ben merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo de l'épisode 2 de Bioshock Infinite. Oh la mer. Et là, prochainement, j'ai pas de crochet, là ça me fait chier, tu vois. Il y a deux endroits où je peux passer, mais il faut un crochet. Comment je trouve le crochet? Je vais me faire du cul, quoi. Pff, faut l'acheter, il faut faire quoi? Ah, bah acheter un crochet, voilà. Mais en plus, j'ai même pas l'argent qu'il faut, d'accord. Ouais, ça a commencé à être chiant, ça, je pense. Mais bon. Ça va, franchement c'est excellent. Donc voilà, oui, il y a Kirby, il faut que je fasse la vidéo, mais je suis à 98% du jeu. Donc j'arriverai à 100% pour faire une photo sur Facebook et une photo, non, une vidéo quand j'arriverai à 100%. Donc fin du mois, je pense. Et voilà, après on verra. Donc ben merci à tous. Hein, et à la prochaine!